Hey yo yo, stop au monde perdu, j'espère que vous allez bien les gars, moi ça va tranquille les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne les gars, aujourd'hui petite vidéo sur le jeu Bleach Breath Souls, aujourd'hui je vais vous parler de la quête coopérative, 8e anniversaire dans cette vidéo, les gars c'est un secret pick, c'est vraiment un event très important à faire, je vais vous expliquer pourquoi, pour ceux qui connaissent déjà, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, il y en a déjà qui sont en train de spammer, vous avez vu dans la guilde. Voilà, c'est surtout pour les débutants les gars, il faut absolument faire cet event parce que ça vous donne masse ressources et même vous pouvez avoir un drop vraiment ahurissant de popo, de larmes, de trucs comme ça. Il faut de la luck, mais quand ça arrive les gars, vous allez dire merci hein, au jeu, c'est sûr et certain. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des taux de drop vraiment abusés, genre plus de 1000 popos, je crois que j'avais eu ça moi. Des cristaux d'XP, t'en as masse et tout. Et franchement, c'est un event très facile, vraiment très facile pour vous les débutants parce que il y a des choses à farmer un peu compliquées, comme par exemple des super popos, vous voyez ce que je veux dire. Peut-être des popos au début, ça doit être un peu chiant et tout ça, mais en coopération avec cet event là, c'est vraiment aise, tu vas à 4 avec des potes ou soit avec des gens de ta guild, rejoignez le Discord les gars et certainement là dans... En ce moment déjà ça spam, mais moi je ferai certainement un live pour farm cet event, je ferai les missions et tout parce que moi j'en ai pas tant besoin que ça, je ferai pour les missions et vraiment comme ça, quand vous venez sur le live, vous créez vos rooms, vous jouez entre vous et ça sera plus facile vraiment. Donc c'est quoi cet event? Vous l'avez vu. On peut farmer des ressources, donc des popos, des larmes, des volontés du Ugyoku, des Ugyoku, des super popos et un cone qu'il faudra monter, bien sûr, 6 étoiles, hein, parce que ça va servir à vous donner des orbes, tout simplement. Et après, il y a aussi des petits ordres. Les ordres, là, vous les voyez, un cone 5 étoiles, des petits cans, même pas des petits, hein, beaucoup de cans, des cristaux, des moyens cristaux, des cannes encore et un ticket 5 étoiles. Il faut le faire 100 fois. Les gars, 100 fois, c'est vraiment très rapide, je vous l'ai dit. C'est peut-être un peu compliqué de trouver des gens, mais comme je vous ai dit, voilà, tu postes ça sur le Discord, des petits codes au niveau de la quête coopérative pour que les gens rentrent dedans dans le salon. Ou sinon, tu vas sur des streams et tu joues avec soit le streamer ou avec des gens sur le stream. Certainement, ça va se partager des codes. Moi, ça va être ça. Je sais pas combien de runs je vais faire, mais voilà, je vais en faire un peu. Il y aura énormément de choses à faire dans la semaine. Les tours, le portail, le raid, l'event à points. Il y aura beaucoup de BBS, je pense, cette semaine, en tout cas en live. Et voilà, et donc, peut-être, comment dire, c'est une coopérative, voilà, on va dire ça comme ça. Et bah, ça vous permet, comme je l'ai dit, donc d'avoir des ressources, mais il faut aussi avoir les bonus pour avoir des extra stages. Donc là, forcément, il n'y a pas les trois derniers puisque les portails ne sont pas encore sortis. Donc ça va être le 31. Et si vous avez eu un des deux, donc le White et le Ichigo, et bah il faut le jouer absolument. C'est simple. Si vous n'avez pas la première ligne ici, vous jouez un des persos qui est ici et ça vous donne des bonus en plus. Donc vraiment, faites ça et l'extra stage, ça va vous donner énormément de ressources en plus. Ici, je crois qu'il y a écrit comment dire, ce que ça peut vous donner entre guillemets, mais c'est un drop de ressources en plus. Donc, dans la quête coopérative 8e anniversaire, les personnages en version Guerre Sanglante de Milan, spécial 8 ans, profitent d'un bonus de dégâts de 50%. Donc, plus de dégâts et aussi, ou même de 100% pour certains d'entre eux. Voilà. En plus, ces mêmes personnages augmentent les chances d'apparition d'un extra stage de 25% ou même de 50%. Donc vraiment, respectez les conditions les gars, même pour vos alliés et pour vous, parce que quand il y aura un extra stage, ça va khalas le jeu, il va mettre bien. Donc pour vous montrer les gars, je vais vous faire deux petites runs. Ici voilà, les versions 6 étoiles et ressuscité des personnages déclenchent aussi le bonus. Le bonus de dégâts ne s'applique qu'aux personnages, le bonus de taux d'apparition. Les extra stages s'appliquent à toute l'équipe jusqu'à un maximum de 200% lorsque 4 personnages à 50% sont présents. Voilà. Et le cone, bon, c'est un cone OZEF, on s'en bat les couilles. Comme je vous ai dit, c'est juste pour les orbes. Donc, je vais lancer. Comme je l'ai dit, ça peut être un peu long. La quête coopérative, elle est là, elle est ici. Ça peut être un peu long, je pense. Mais, voilà, quand tu vas venir dans des streams
ou tu rejoins le Discord et tu demandes qui est chaud pour faire les quêtes coopératives, bim, ça y va direct, ok. Donc là, on fait en x5, j'ouvre le groupe, on sait jamais, go fast run, bonus please, genre tu mets ça, un truc comme ça si tu joues avec des randoms, et sinon, moi, je vais inviter des gens. Là, clairement, je vais, je vais lancer une run très très rapide, parce que, comment vous expliquer, c'est juste pour vous montrer, après je ferai bien les choses, parce que c'est vraiment très très long d'avoir des gens. Voilà, pour dans ce mode-là, et le petit Z, le petit Samy, je lui ai dit que j'allais lancer une petite vidéo et tout ça. Voilà, comme ça, je vous dis, dès que vous avez une guilde active, et bah ça c'est très rapide. Hein. Je vous le dis, c'est très 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 rapide à lancer les runs. Je vous ai dit, ça va très très vite. J'ai testé une run avec le White. Par contre, il prend cher. J'ai mis en bonus, j'ai mis des tout ce qui est larmes, voilà, des trucs comme ça, des bonus de larmes en sous le trait, parce que ça va me permettre d'en avoir plus. Là, bon, si je meurs, je m'en fous, les gars. Là, c'est juste que je vais pas, ouais, là, je vais pas jouer, clairement. Je vais laisser en auto pour deux runs. Et après, voilà. Et il y a Bibam aussi qui a rejoint. Donc, spammer ce mode, vraiment très, 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 très intéressant. Détruisez-le jusqu'à l'arrivée des raids, des trucs comme ça. Mettez un maximum de tickets, parce que je vous le dis, cet event-là, il va vous rapporter un max, parce que là, en plus de ça, si vous êtes full bonus, c'est GG. Clairement, c'est GG. Et il y a moyen, voilà, c'est pas à toutes les runs, mais là, vous voyez, on est au max. Donc là, c'est cool. Je vais pouvoir lancer, même si Zed, il est pas... Voilà. Il est prêt. Là, je vais pouvoir lancer tranquille. Là, il y a le petit Kaboubou, il va se dire, oh putain, je suis dans une vidéo, c'est sûr et certain. Et en plus de ça, si vous tombez avec des randoms, et bah voilà, vous avez des points d'assistance. Quand vous lancez avec des randoms, vous avez des points d'assistance. Et du coup, ce qui est cool, c'est que bah, vous pouvez avoir des petits points pour choper des choses, des petits bref souls, des tickets, voilà, des tickets 4-5 étoiles, je crois aussi, ou plutôt 5 étoiles. Donc il y a moyen d'avoir des ressources, tu vois ce que je veux dire. Mais vous allez voir, là, voilà, j'ai pas beaucoup de vie, c'est normal, parce que forcément, j'ai des petits. J'ai pas mis full. Bonus. Après, si je vois que je meurs trop en live, bah écoutez, moi je mettrai des bonus de dégâts, mais on sait jamais, tu vois, des petits bonus de larmes à 30%, on dit pas non. Et puis bon, je vous cache pas que en ce moment je ne spamme pas tout ce qui est comment dire, popo, super popo. C'est surtout en super popo où je crève beaucoup. Les raids, ça dépend, en vrai ça peut arriver que je crève, mais voilà quoi. Vous voyez, c'est vraiment très très rapide. En plus de ça, avec les persos en bonus, c'est GG. Là, vous allez ici. Là, je me suis mis en auto, moi. Là, il y a quelqu'un qui lance son ultime, du coup, ça met 20 ans. Voilà. Et voilà. C'est vraiment deux spies. Et là, faut prier. Là, vous allez voir que je vais avoir, du coup, 5 pages de récompense. Et on va regarder si on a de la luck ou pas. En plus de ça, ça vous fait les ordres, hein, bien sûr. Forcément. Puisqu'il faut le faire 100 fois. Alors. Qu'est-ce qu'on a ? Quoi ? Surprise. Ça fait plaisir. Là, c'est vraiment la loterie. Hein. Donc, 88 ici. 888 cristaux d'XP. J'en ai déjà énormément. Bah, ça donne encore plus. Donc là, on a eu des bonus popo. Ici, on n'a pas énormément de choses. Des petites larmes. Voilà. Donc, déjà, des cristaux d'XP. Pour vous, ça va être... C'est très, très, très important. Hein. Vraiment, c'est vraiment très important. Là, ce qui est marrant, c'est vraiment la loterie. Il y aura le meilleur truc et tout ça. C'est ça, vraiment, c'est trop marrant. Donc là, normalement, on a tous le même drop. Normalement, on a tous le même drop, je crois, si je dis pas n'importe quoi. Et du coup, là, on est parti sur du cristaux XP. Donc, les cristaux XP, c'est vraiment très important pour monter les persos. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez avoir des potions, vous pouvez avoir des larmes, vous pouvez avoir énormément de choses. Vraiment, vraiment. Donc, spammer cet event pendant, je sais pas moi, 2-3 jours, même plus, hein, si vous êtes chaud vraiment de spammer un max, faites-le, ça va vous donner énormément de ressources. Vous allez pouvoir monter vos persos vraiment très facilement, surtout si vous avez des potions et un drop de super potions. Ça, clairement, bah, vous dites pas non, parce que c'est vraiment un truc vraiment très important. Et ensuite, vous avez des larmes pour, bien sûr, quand vous passez vos persos niveau 200, voilà, pour même monter dans la transcendance. Toutes ces ressources seront vraiment très 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 importantes. Donc là, ici, dernière petite run pour vous montrer.
Et puis, comme j'ai dit, ça, je le ferai certainement sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le petit Twitch. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce ou le petit commentaire dans cette vidéo. Si la vidéo vous a aidé, vraiment, c'est un cheat code. Ce jeu, ce mode de jeu est un cheat code. Mettez bien sûr les personnages, comme je vous ai dit, qui sont en bonus pour avoir des extra stages. Bien sûr, comme je dis, c'est pas sûr que ça drop tout le temps, mais quand ça va dropper l'extra stage, ça va être n'importe quoi. Je vous le dis, ça va vraiment être n'importe quoi. Même ce qui peut se passer là, c'est qu'en vrai, là je meurs, on s'en fout, mais en gros, ce que je peux faire, c'est tu pines toutes les trucs en deux spi. Lâche ton ultime comme ça, bim. Peut-être que j'ai fait de la merde là. Non, voilà, tu vois, j'ai clean les vagues un peu. Mais tu lâches 3 ultimes et vraiment, de toute façon, le con il résiste pas. Hein. C'est un coup et normalement, un ou deux coups il meurt. Donc voilà les gars. Et bien sûr, comme j'ai dit, je vais faire ça en stream. Comme ça va être beaucoup plus facile parce que je sais que quand tu joues avec des randoms, c'est vraiment long à trouver des gens. Ça, c'est le seul défaut que je trouve qu'il y a dans ce mode, c'est que pour trouver du monde. Je trouve que c'est très très long. Donc vaut mieux jouer avec des gens de ta guilde ou des gens quand t'es dans un Discord de Bleach Brave Souls. Comme ça, au moins, tu sais avec qui tu joues. Et comme ça, c'est clair. C'est carré. Donc, le petit drop. Est-ce qu'on a quelque chose? Est-ce qu'on n'a pas quelque chose? Alors. Ici, on a eu des cristaux. On a eu des larmes. On a eu des bonus. Au pot un peu. Là encore des petits cristaux. Donc 88. Encore des bonus cristaux. Donc là vraiment vous voyez que les cristaux, bon, ça tombe vraiment très 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 rapidement. Mais comme vous pouvez le voir là, 232 larmes. J'avais pas vu. 232 larmes. Il y a quoi d'autre? Des petits cristaux encore. Bon, bah là, comme vous pouvez le voir, beaucoup de larmes ici. 232, c'est énorme. 91. Ici aussi, c'est vraiment énorme. Et voilà, donc franchement, comme vous pouvez le voir, ça peut aller très très vite. Et surtout, ça peut vous donner masse ressources. Donc sur ce les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher, comme j'ai dit, le petit pouce bleu et tout ça. Tu connais la MIF, en ce moment, ça spamme les vidéos BBS et ça fait plaisir. Et bien sûr, il y aura d'autres choses sur la chaîne, certainement du Dokkan Battle. Et autres, si un jeu qui m'intéresse et tout ça, en ce moment, il y a beaucoup beaucoup de BBS, je sais que vous kiffez ça. Moi j'aime bien varier les plaisirs, mais comme là c'est l'anniversaire et que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien les vidéos BBS sur ma chaîne, bah je vous régale, tu vois ce que je veux dire. Donc sur ce, la petite bise, on se retrouve sur Twitch et tout ça. Je pense pas qu'aujourd'hui je vais stream parce que je dois bouger, hein, vu qu'on est samedi et tout, je dois bouger. Donc dans la semaine, dimanche, lundi, n'oubliez pas 8h30 live et tout ça, sur le portail et tout, 9h45 invoque. Allez la petite bise, ciao.